Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Brigitte Bilodeau. Je suis première vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Alors, c'est moi qui animerai votre séance de Pécha-Coucha. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue également aux gens qui nous suivent par le biais de la webdiffusion. Je rappelle aux gens que si vous voulez intervenir pour poser des questions, vous devrez le faire aux micros qui sont dans la salle, de façon à ce que les gens qui sont en webdiffusion puissent vous entendre. Et pour les personnes qui sont en webdiffusion, vous aurez la possibilité d'envoyer vos questions par clavardage et je les recevrai par le biais du cellulaire et on pourra y répondre lorsque ce sera le temps. Alors, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite la bienvenue dans le thème Aménager le temps pour favoriser les apprentissages. Vous pourrez entendre quatre présentations, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Alors, sans plus tarder, j'inviterai les conférencières Manon Roy et Martine Harpin à se présenter à l'avant. Elles vous présenteront un atelier d'écriture pour travailler autrement et aider les élèves. Alors, Martine Harpin est enseignante à l'école Laurie Dubois à la commission scolaire des Trois-Lacs. Elle enseigne depuis plus de 20 ans en première année. Toujours soucieuse d'améliorer ses pratiques, elle a étudié l'enseignement de la lecture et de l'écriture au Teachers College de l'Université Columbia. Elle est cofondatrice du blog L'atelier d'écriture au primaire et du groupe Facebook qui y est associé. Elle est aussi consultante en éducation, conférencière et adaptatrice pour les modules d'enseignement de l'atelier d'écriture chez Chenelière Éducation. Manon Roy est directrice d'école de Laurier Dubois, toujours de la commission scolaire des Trois-Lacs depuis 2017. Elle est détentrice d'un diplôme d'études supérieures en administration scolaire et d'une maîtrise en didactique. Elle a été enseignante au primaire pendant 15 ans et conseillère pédagogique en mathématiques au primaire en 2012 et 2013. Merci. Oui, on va commencer. Donc, il nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de notre projet école à Laurier Dubois. À l'école à Laurier Dubois, c'est une école de 15 classes de premier cycle, de la maternelle à la deuxième année. Et l'école a entamé depuis quelques années un projet et ont décidé d'adopter les ateliers d'écriture dans toutes les classes du primaire et du préscolaire, dans le but d'aider davantage tous les élèves. Ce que c'est les ateliers d'écriture? En fait, nous pouvons définir l'atelier d'écriture comme étant une approche pédagogique qui favorise l'apprentissage de l'écriture en contexte signifiant. Chaque jour, les élèves bénéficient d'un enseignement explicite en lien avec l'écriture, d'un temps de pratique autonome et d'une rétroaction. Alors, pourquoi nous, on a décidé d'adopter cette approche-là? En fait, c'est qu'on va s'appuyer sur ce que font les recherches en éducation dans les pratiques probantes et on essaie de voir comment concrètement ça peut se réaliser vraiment avec les élèves en classe. Premièrement, ça facilite la différenciation pédagogique parce que ça permet de dégager du temps pour travailler individuellement en rétroaction en cours d'apprentissage avec les élèves. On assure aussi la qualité de l'enseignement parce que les enseignants peuvent s'appuyer sur des ressources, des pistes pour enseigner explicitement toutes les facettes de l'écriture. Aussi, ce qu'on veut, c'est motiver les élèves parce qu'ils écrivent sur des sujets qu'ils connaissent, sur des choses qui les intéressent. On veut en faire des citoyens qui ont des choses à dire et qu'ils sachent que ce qu'ils ont à dire est important pour nous. Et comme ça, on augmente la compétence à écrire parce qu'on amène tout le rapport de l'apprentissage du rapport aux conventions d'écriture qui deviennent au service de l'écrit et du message, et on assure ainsi le transfert des connaissances. Ce qu'il faut mettre en place pour maximiser le temps, d'abord, c'est d'adopter un horaire fixe. Donc, à chaque jour dans nos classes, les élèves, les enseignants s'assurent qu'ils ont un horaire qui se ressemble, qui est fixe. Donc, ça facilite beaucoup les transitions. Tout le temps qu'on perd souvent lors des transitions, quand l'horaire est fixe, on bénéficie de temps de ce côté-là. Et la deuxième chose qu'on doit faire, que les enseignants doivent faire, c'est favoriser l'autonomie des élèves. Donc, plusieurs petits trucs pour lâcher prise, donner de la place aux élèves et leur permettre d'être de plus en plus autonomes pour gagner du temps d'intervention auprès des enfants. On essaie de responsabiliser les élèves le plus possible. En fait, ce qu'on se dit, c'est tout ce qu'on peut redonner aux élèves comme responsabilité. On leur enseigne explicitement. On met beaucoup de temps et d'énergie d'abord
Mais ensuite, on gagne beaucoup de temps. On trouve une solution. On regarde ce qui se passe dans notre classe, on trouve une solution pour les aider à devenir autonomes à ce sujet. Comme, effectivement, on l'a vu sur la diapo, rendre le matériel accessible, alors le rendre disponible, rendre les enfants autonomes et s'assurer de leur montrer comment faire, comment se le procurer et éviter de toujours demander à l'enseignant. On mise beaucoup sur le travail en partenariat aussi, donc on enseigne aussi explicitement aux élèves c'est quoi la responsabilité de travailler avec un coéquipier. Donc, ça facilite notre tâche parce que ça libère l'enseignant quand les autres élèves peuvent aider, s'entraider efficacement. Les enseignantes utilisent également beaucoup les tableaux d'ancrage pour mettre visuellement les stratégies, les étapes, les procédures enseignées pour que l'enfant s'y réfère de façon autonome, après, bien sûr, un enseignement explicite de ses façons d'être autonome là, dans l'usage des tableaux d'ancrage. 20 secondes dans l'auto et la chambre d'hôtel, là, c'était vraiment plus long que ça. Les enseignants donc utilisent l'enseignant explicite à tous les jours, autant en lecture, en écriture, et ça se transmet même en mathématiques. Donc, les enfants ont des points d'enseignement très clairs, ciblés, précis. Donc, c'est toujours l'enseignement explicite qu'on utilise en classe. Et pourquoi on a adopté cette pratique-là? Bien, c'est dans un but d'avoir du temps de rétroaction auprès des élèves. Donc, la priorité, c'est que oui, il y a des points d'enseignement, mais on a du temps pendant que les enfants travaillent, qu'ils s'exercent, qu'ils pratiquent à tous les jours pour leur donner de la rétroaction individualisée, autant pour les élèves plus avancés que les élèves avec des difficultés. Et on gagne aussi du temps quand c'est le temps de l'évaluation, parce que quand on rencontre nos élèves régulièrement, en fait quotidiennement, on finit par les connaître par cœur, on prend beaucoup de notes, et quand arrive la fin de l'étape, bien, il nous reste juste à mettre un chiffre sur ce qu'on connaît déjà des forces et des défis des enfants. Alors, les conditions gagnantes pour mettre dans une école un tel projet, des nouvelles pratiques, c'est d'offrir suffisamment de formation continue, autant au niveau du contenu, mais aussi en exploitant les enseignants leaders, les mentors, le travail de collaboration, offrir aussi optimiser la collaboration professionnelle et assurer que la vision commune de l'école à long terme est la même, tout en respectant le rythme de chaque adulte. Des personnes ressources aussi pour s'appuyer. Donc, on dit toujours que pour s'améliorer, quand on est un A, il faut avoir un A1 qui vient nous appuyer. Donc, nous, on a nos A1 que vous pourrez lire plus tard en regardant la présentation. Vous pourrez voir nos collaborateurs. Bien sûr, il y a certaines difficultés parfois. Donc, le changement de pratique réelle occasionne souvent des craintes. Donc, c'est beaucoup de changements dans les pratiques, dans la gestion de classe et aussi dans l'enseignement. Ça implique du travail, surtout au début de l'implantation, mais qui s'amoindrit à mesure que les pratiques changent. Et la planification et l'organisation de tout ça aussi peut représenter un défi. Et on vous laisse avec, évidemment, un texte d'élève de ce que ça peut donner quand on travaille quotidiennement. Un élève de deuxième année, c'est un texte sur une surprise d'un animal qu'on va chercher à l'animalerie. Et c'était écrit de bien belles choses pour un élève de deuxième année. Donc, vous pourrez aller lire parce que c'est ce qui fait qu'on continue à changer nos pratiques parce qu'on voit les résultats que ça peut donner chez les élèves, autant en difficulté que ceux qui ont… aussi, on peut soutenir ceux pour qui ça va vraiment bien. Si vous voulez en savoir plus, il y a le blog l'atelier d'écriture au primaire et il y en a aussi un maintenant pour les enseignants du secondaire qui voudraient changer leurs pratiques aussi. Merci beaucoup, mesdames. Alors, je ne sais pas si les personnes…
co-auteur avec mes élèves, donc on partage la responsabilité de la gestion de ces activités-là. On peut demander l'aide de quelqu'un d'autre et je sais que c'est très présent dans les ateliers. Avec maintenant deux questions. Une question, je pense que je connais la réponse, mais je pense que ce serait intéressant de vous entendre parler là-dessus. Je sais que vous êtes enseignante en première année. Concrètement, au mois de septembre, en première année, comment on fait pour avoir 25 élèves qui écrivent en même temps? Je sais que ça, c'est une question qui doit certainement émerger dans plusieurs esprits. Une deuxième, peut-être plus embêtante ou théorique, mais vous pouvez ne pas y répondre si vous le souhaitez. Du côté de la recherche, côté francophone, donc je sors ici de Lucy Calkins, une des choses qui est reprochée à l'enseignement de l'écriture, c'est de la rendre trop normative. Donc, de réduire l'écriture à un enseignement de stratégies, de règles et de normes qu'il ne faut qu'appliquer pendant l'écriture. Or, on sait que c'est beaucoup plus complexe. Donc, c'est de se poser la question de est-ce que la mini-leçon qu'on va après soutenir, je sais, de façon plus individualisée est suffisante et est-ce qu'on ne risque pas d'hyper-normaliser la créativité, c'est-à-dire de s'inventer des règles qui expliquent la créativité et comment l'appliquer. Avec comme piste de réflexion, si ça vous intéresse, s'il y a des auteurs francophones qui vont plutôt proposer de la co-écriture comme co-auteur, où il y a un petit peu moins d'explicitation des stratégies de créativité, mais c'est des choix théoriques à faire. Je ne sais pas si vous les connaissez ou en tout cas on pourra en discuter. Je ne sais pas si on a le temps. J'ai deux réponses rapides à vos questions qui demanderaient des réponses beaucoup plus longues. Comment on fait en première année avec des élèves et même à la maternelle, parce que notre école, ça commence à la maternelle, c'est qu'on change le rapport à l'erreur, même chez les enseignants. C'est qu'on les fait écrire avant qu'ils sachent écrire, comme on s'émerveille d'un enfant qui dit « ama, ama » quand il y a 6 mois, puis qu'on se dit « il a dit maman, il a dit maman ». On ne dit pas à notre enfant « c'est pas comme ça que ça se dit maman ». Maman, c'est maman. Quand tu pourras le dire comme il faut, tu m'appelleras maman. En attendant, j'aimerais mieux que tu ne parles pas. Comme on ne dit pas à nos enfants qui marchent à quatre pattes, ce n'est pas comme ça qu'on marche. On est des humains. On marche sur deux jambes, on marche sur deux pieds. Quand tu sauras te tenir debout, tu marcheras. Puis à l'école, en écriture, on dirait que c'est l'exigence qu'on a. Donc, c'est la même chose, c'est un apprentissage. C'est qu'on les fait écrire avant qu'ils sachent écrire, mais ça veut dire qu'on donne de l'importance à l'erreur en tant qu'objet d'apprentissage. C'est ça qu'on veut inculquer chez les élèves dès qu'ils sont petits. Et j'irais même que chez les enseignants du deuxième cycle, du troisième cycle, c'est un grand changement, un grand défi auquel ils doivent faire face parce que quand leurs élèves arrivent d'un système plus traditionnel en écriture, les élèves ne savent pas qu'ils peuvent faire des tentatives et que c'est correct d'apprendre. Ils pensent qu'écrire, c'est juste écrire comme il faut. Donc, c'est vraiment un changement pratique. C'est comme ça qu'on réussit. C'est dans l'ambiance, c'est dans la communauté. Et pour ce qui est de l'autre question, on dirait que je savais quoi répondre, je ne sais plus c'est quoi. Oui, l'enseignement explicite, en fait, c'est qu'on va chercher avec l'atelier d'écriture, l'enseignement explicite est vraiment dans l'observation, qu'est-ce que ça fait un auteur pour vrai dans les différents genres littéraires, et on leur enseigne un répertoire de stratégies qu'ils peuvent utiliser dans les différents genres, et ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une prescription à l'enfant. Donc, c'est une découverte des stratégies possibles, et les enfants ont des choix apprendre, donc ce n'est pas directif, c'est explicite dans l'enseignement, dans la démonstration, dans la pratique guidée, mais contrairement à ce qui est plus traditionnel en écriture, ce n'est pas une commande à aller essayer. Donc, je pense que la nuance peut être faite comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors maintenant, le deuxième conférencier qui vous entretiendra d'un projet présence-distance à chaque contexte ses tâches. Alors, je vous présente Jean Desjardins. Il est conseiller technopédagogique au Collège Sainte-Anne. Il a enseigné pendant 9 ans au secondaire. Il est depuis mars 2013 conseiller technopédagogique au Collège Sainte-Anne de Lachine à Montréal. Il agit aussi en tant que chargé de cours en intégration des TIC à l'Université de Montréal. Parmi les signaux faibles qu'il a contribué à amplifier, les réseaux sociaux de classe, les outils web de collaboration et la ludification des apprentissages. Ses sujets de développement actuels sont la pédagogie active avec les TIC et l'évaluation intégrée aux apprentissages. On va repartir ça, si vous permettez. J'ai presque perdu ma première diapositive. Le compteur tournait. J'ai besoin de vous. Oh, oh! Un instant, on fait quoi? C'est pas ça? Ah! Ça, c'est tellement moi, là. OK, on va se fier juste là-dessus.
OK, ça tourne. C'est traqueur, c'est traqueuse, rieur, rieuse. Je suis Jean Desjardins et je vous présente mon pitch à Kucha. Présence, distance, à chaque contexte et tâche, optimisons le temps d'apprentissage. Je dois faire un petit regard sur le côté aujourd'hui, c'est plus difficile, mais je pense que je vais y arriver tout de même. Ce pitch à Kucha, fruit de l'innovation technopédagogique et technologique au Collège Sainte-Anne à Montréal. Est-ce que ça tourne? Est-ce que ça tourne? Je suis rendu à 28 secondes sur la même diapositive. C'est pas normal, Houston. Je me questionne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je clignote? Je veux pas dire, hey, je pensais que j'allais avoir mes diapositives qui tournaient toutes seules. OK, c'est pas ça. On va faire pareil. Donc, oh, j'ai du contrôle sur le contexte. C'est maintenant même plus merveilleux. OK, on fait ça comme ça. C'est l'habituation. Hein? C'est rebondir en contexte. C'est censé être minuté, ce pitcha-coucha. On part. Donc, Collège Sainte-Anne, aux abords du Canal de la Chine, à l'embouchure du Canal de la Chine, à Montréal, collège fondé en 1861, qui intègre maintenant le primaire, le secondaire, le collégial. 1960 élèves au secondaire depuis près de 10 ans, en contexte un pour un, en ordinateur. Je suis tellement content, vive les ordinateurs, un petit peu plus que les iPads personnellement, mais tous les contextes, interopérabilité, c'est la norme. Innovation au Collège Sainte-Anne en pédagogie active, et pour ça, même problème pour tous, un même problème qui nous frappe, puis qui nous frappe encore, peu importe notre contexte, où passe le temps? Comment faire pour pouvoir avoir tout le temps pour, entre autres, mettre nos élèves en réussite, même si on a des élèves qui ont peut-être un peu plus de facilité qu'ailleurs, le temps file puis nous glisse entre les doigts. Tout prof voudrait pouvoir inspirer ses élèves. Les monsieur, ça a passé tellement vite aujourd'hui, madame, c'était super. Puis aussi pouvoir agir plus efficacement, entre autres, pour clencher une pile de correction. Ça, c'est le cas de tout prof. Puis tout prof, peu importe son contexte, doutez-en pas, manque de temps pour pouvoir développer les compétences de ses élèves. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai deux pistes pour vous aujourd'hui, puis je m'éloigne du micro quand je parle, c'est un petit peu difficile. Mais la première des choses, c'est de la flexibilité, c'est de pouvoir s'outiller pour la classe inversée. C'est tellement plus facile qu'autrefois pouvoir produire des vidéos d'apprentissage puis des vidéos interactives. C'est ce dont je vous parle maintenant. Oh, hey, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Hey, c'est pas ma présentation, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe? OK, on va revenir ici, on va faire un rebond en arrière peut-être tantôt. Ben, tiens, méditons-la tout de suite, elle sera faite. Citation de Maud Lamoureux à Claire cette année, relayée par le twittereur invétéré Sylvain Bérubé, le désencombrement pédagogique. On en parle au C'est très écrire aujourd'hui dans un des ateliers. Gorgée d'eau là-dessus. Pouvoir s'appliquer à ce en quoi on croit et pouvoir faire le plus pour nos élèves comme ça, ça implique de faire des deuils, très certainement. Je vous parlais d'outils pionniers. Quand Screencast-O-Matic est arrivé en 2012-2013, j'avais enregistré juste une vidéo d'apprentissage jusqu'à maintenant, puis sans les services de Screencast-O-Matic, mon Dieu que ça a changé des choses. Pouvoir lancer dans YouTube facilement, ça a l'air d'un rien aujourd'hui, mais c'est Screencast-O-Matic qui a permis ça. En plus de pouvoir mettre en superposition, en duplex, la caméra de son ordinateur, le fond, son écran qu'on enregistre, de pouvoir corriger des erreurs, de pouvoir revenir dans le temps de 17 secondes ou d'une minute 15, pour pouvoir corriger, gommer un détail qui ne nous plaisait pas. Ça a rendu plus facile et en moins de 5 heures produire une vidéo d'apprentissage. Outils ensuite plus contemporains, Edpuzzle pour rendre les vidéos interactives. C'est génial de pouvoir poser des questions ouvertes, des questions à choix de réponse, puis mettre 17 choix de réponse avec chacun une rétroaction différente dedans, de pouvoir mettre des commentaires audio dans la vidéo, de pouvoir donner entre autres une intention d'écoute aux élèves, de pouvoir personnaliser la vidéo des autres sans montage. Mon Dieu que c'est brillant! Puis à droite, VideoEnd, qui est l'outil complémentaire à ça, de pouvoir amener les élèves à quelques-uns à pouvoir construire du sens sur nos vidéos, à des points précis, à pouvoir échanger entre eux. J'ai absolument besoin de ça pour pouvoir retrouver de la flexibilité dans les apprentissages dans mon enseignement. Aussi des outils de tableau de bord comme ClassKick ici. ClassKick qui permet de voir les élèves en processus d'apprentissage et de pouvoir rétroagir à chaque moment de leur tâche. C'est complètement indispensable. Et également, PeerGrade. PeerGrade, c'est la vague technologique dans notre collège cette année. Enfin, d'avoir un outil qui permet de faire la rétroaction entre pairs facilement, distribuer aléatoirement tous les travaux, toutes les productions des élèves sans qu'eux sachent qui a reçu la copie de qui, puis de pouvoir, bien sûr, pouvoir s'approprier les critères d'évaluation que le prof a formulés, de pouvoir rétroagir aux autres, donc de s'intéresser à la production des collègues de la classe, de recevoir ensuite de la rétroaction de ceux-ci.
ça va faire une différence, je crois, dans les apprentissages de nos élèves. Et puis, c'est une chose qui est aussi possible, tant en présence qu'à distance. Je trouve ça vraiment, ces outils technologiques-là font une différence dans notre enseignement, puis ils mériteraient d'être connus de plus de gens. Je les trouve vraiment précieux, puis oui, ça me séduit aussi. Est-ce que c'était ça la prochaine diapositive? Je ne sais pas. Je rebondis sur sans préparation. Pensez nos cours comme différents trajets de transport en commun, différentes trajectoires d'élèves avec des points de contrôle comme des stations de métro où on prend des décisions pour nos élèves. Je pop le P comme personne quand je m'approche trop proche du métro, du micro, du métro. Oh, c'est mêlé. Donc, de pouvoir faire des arrêts sur les apprentissages de nos élèves, pouvoir prendre des décisions pour eux, pour elles, de pouvoir les soutenir dans leurs apprentissages. La notion de point de contrôle emprunté à un étudiant de Bruno Pelubert, qui m'est vraiment un concept très utile. Prendre des décisions pour nos élèves sur la base de leurs vidéos, poser des gestes de chercheur, même si on n'est pas, même si on n'en est pas comme moi, qui est juste conseiller pédagogique, puis prof, pouvoir poser des gestes de chercheur. Je regarde Michel Deschênes dans la salle à qui j'ai demandé « cite-toi cette citation-là ». Non, ça serait plutôt d'Annick Sirard. Donc, je n'avais pas de typologie pour quel genre de décision je pouvais prendre pour mes élèves. Je m'en suis donné une. Je vais entre autres nommer le fait de pouvoir explorer avec mes élèves leur compréhension dans une tâche subséquente aux apprentissages faits en vidéo, de pouvoir voir si les apprentissages ont été faits en surface ou en profondeur. Ça, c'est juste pertinent pour eux aussi que de savoir que leurs apprentissages n'ont pas été disjoints de la tâche à faire ensuite. C'est cohérent de pouvoir avoir une suite. Deuxième piste, si je me lance d'une piste de saut à ski, il faut que je puisse clignoter. Donc, si je me lance, il faut que je trouve le meilleur, mettre dans chaque contexte le meilleur des situations possibles. Si je suis habillé pour faire du saut à ski, je ne m'en vais pas danser le ballet. Je vais essayer de voler loin puis avec grâce. Et puis, je vous présente une autre typologie que je me suis donnée. On a des journées d'apprentissage à distance au Collège Sainte-Anne puis des journées carboneutres, deux journées comme ça par année. Quelles seraient les meilleures tâches à faire dans chaque contexte? Voici ce que j'ai proposé à nos enseignants. Peut-être proposer une notion nouvelle, oui, parce que pouvoir à distance, pouvoir réécouter plusieurs fois une même notion, surtout si la vidéo a été rendue interactive, je le disais. Ensuite, s'il s'agit de consolider les apprentissages, on a des outils de tableau de bord, j'ai nommé ClassKick tout à l'heure, il y a GoFormative qui fait ça, ou des quiz diagnostiques qui peuvent très bien être faits à distance pour pouvoir qu'en présence, on puisse différencier et réguler les apprentissages de nos élèves en les accompagnant. Et de conclure, désolé pour le minutage qui était censé m'aider le besoin d'utiliser les appareils que les élèves ont en main, même dans un contexte de plan numérique, de plan d'action numérique, pouvoir aussi donner une utilité à leurs appareils personnels pour l'apprentissage, de pouvoir bâtir des ponts entre les différents profs du Québec qui croient en certaines pratiques, faire émerger ces meilleures pratiques-là, faire des ponts entre les milieux de la recherche puis les milieux des profs. C'est comme ça qu'on arrivera à se poser ensemble, à suspendre le temps pour pouvoir côte à côte, épaule à épaule, avec nos élèves, s'intéresser aux problèmes complexes qu'on leur propose en classe. Merci. Merci. Alors, est-ce que mesdames Séverine Parent et Michel Deschênes veulent intervenir? Oui, on peut intervenir une à la fois, Séverine Parent. Merci, Jean, pour ta présentation rythmée, dynamique. C'est fort apprécié. Je sais un peu le travail qu'il y a en arrière de ça, alors je prends ce que tu nous donnes et je lis un peu entre les lignes. Tu nous parles de s'outiller pour la classe inversée, d'utiliser des outils. J'imagine que, et tu conclus sur retrouver le temps, alors j'imagine que tout ça, c'est pour optimiser le temps? Et à ta réponse, j'aurai une question de relance, évidemment. Oui, optimiser le temps parce que c'est clairement la pédagogie active, lorsqu'on ne sert pas de recette à nos élèves, lorsqu'on les laisse faire des erreurs puis qu'on leur formule pas, qu'on leur met pas en bouche les mots qu'ils devraient nous dire, ça prendra plus de temps. Donc, il faut pouvoir être efficace avec ce temps-là dans les autres tâches qu'on leur propose. C'est ça. Je vais faire du pouce avec la fin de ta réponse. Donc, on optimise le temps, on libère du temps. Qu'est-ce que tu suggères ou qu'est-ce que tu vis au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là qu'on a libéré? C'est dans les diapositives qui ont passé trop vite, entre autres, proposer davantage d'études de cas en classe, de problèmes complexes. C'est censé être ce qui nous rassemble dans toutes les matières, le fait de proposer des problèmes à nos élèves. Et puis, au contraire, on est, par la force des choses, toujours amené
enseigner explicitement, c'est très bien. Maintenant, il faut pouvoir aussi pouvoir utiliser ces savoirs-là dans des problèmes complexes où les connaissances acquises prennent une utilité véritable par la suite. Donc, ce temps-là nous servirait à pouvoir proposer des problèmes à nos élèves. Ah, génial, merci. Ça croise ce que Mme Laferrière nous disait ce matin, là, que les apprentissages en profondeur prennent plus de temps. En terminant, je te remercie beaucoup pour ta présentation. Puis j'apprécie toujours que tu témoignes de ce que ton institution fait, notamment la journée en ligne. Non, ça ne s'appelle pas comme ça. Répète-le donc. Journée d'apprentissage en ligne. Ça a commencé par les journées carboneutres pendant quelques années. Puis maintenant, on se donne une journée d'apprentissage en ligne ou expérimenter ce contexte hybride de quelles seraient les meilleures pratiques à faire à distance. De quoi on pourrait profiter dans une journée où il y a plus de souplesse pour les apprentissages de nos élèves? Est-ce qu'il y a des occasions à saisir là? Bien, merci beaucoup. Merci. Alors, on passerait maintenant au troisième atelier. J'invite les conférencières Claudie Lewis et Claudie Simard à venir en avant. Elles vont nous parler de l'apprentissage modulaire individualisé. Claudie Lewis est enseignante au secondaire depuis plus de 20 ans à l'école secondaire Georges Vanier de la Commission scolaire de Laval. Elle est aussi vice-présidente de la Fondation des Amis de Vanier. Claudie Simard est directrice de l'école Georges Vanier de la Commission scolaire de Laval. Elle œuvre au sein de la Commission scolaire depuis 18 ans, d'abord comme enseignante, puis comme conseillère pédagogique et comme directrice d'établissement des ordres primaires et secondaires. Alors, il me fait plaisir cet après-midi de vous présenter comment à l'école secondaire Georges Vanier de la Commission scolaire de Laval, on aménage le temps différemment depuis plusieurs années, comment les élèves sont au cœur de leur planification et de leur choix en tout temps. Donc, mon nom est Claudie Lewis. On a dit que j'étais enseignante à l'école secondaire Georges Vanier depuis plus de 20 ans. Je suis aussi une ancienne élève de l'école secondaire Georges Vanier. Donc, le projet AMI, c'est quelque chose qui est profondément en moi, je crois beaucoup. Apprentissage modulaire individualisé, Claudie Simard l'a dit, c'est un projet d'école, en fait, le projet d'une équipe enseignante dans les années 70, qui, au moment même où il devait construire une nouvelle polyvalente, pas de fenêtre, en briques brunes, a décidé de dire, nous, on a le goût d'un projet au cœur duquel l'élève va être au centre de son apprentissage, qui va le desservir le mieux. Donc, une pédagogie unique et créative. On est la seule école comme ça au Québec. Ça fait 45 ans cette année que l'école secondaire Georges Vanier, école secondaire publique de quartier, donc et non de choix, qui ne sélectionne pas ses élèves, fonctionne de secondaire 1 à 5, adaptation scolaire comme régulier, avec le système AMI. Le progrès continu est à la base, donc on vise vraiment l'autonomie de l'élève, le développement de l'autonomie de l'élève, parce qu'il va sans dire que non, en première secondaire, ils ne sont pas déjà autonomes, il ne faut pas déjà être autonome pour venir à notre école, on le développe. Donc, on réussit ces matières dans un certain cadre de normes et modalités d'évaluation bien particuliers qu'on adaptait à notre école. C'est-à-dire que, dépendamment du résultat qu'on va obtenir, on va avoir des enseignements correctifs, on va revenir sur la matière qui est moins comprise, on va faire des reprises d'examen, on va aller en récupération, on va être référé en ressources, puis on va avoir finalement une note qui va être écrite sur une attestation, un papier comme ça qu'on reçoit, puis qu'on va remettre à notre conseiller. Parce que chaque enseignant à l'école Georges Vanier porte deux chapeaux. Donc, l'enseignant matière, qui est le spécialiste de sa matière, dans mon cas, enseignante de français deuxième secondaire, je suis vraiment la spécialiste, je fais le suivi de mon cours, j'élabore le matériel, je l'utilise, je donne des dates d'échéance aux élèves pour leur donner quand même un indicateur de ce qui devrait être à peu près suivi. Et j'ai mon chapeau de conseillère. Donc, le conseiller, c'est ce que je dirais, est un tuteur puissance 1000. Je rencontre mon groupe conseil de troisième secondaire, 15 beaux élèves que je vois 20 minutes à chaque jour. Je fais leur planification annuelle, leur mandat annuel, je les rencontre individuellement dans l'année. Je fais les rencontres de parents, je les aide à planifier leur agenda pour qu'ils aient un rythme qui leur est propre, un rythme individuel, qui apprennent à leur vitesse, pas la même pour chacun d'entre eux, pas la même dépendamment de la matière, parce qu'il y en a qui sont plus vite en français, moins vite en mathématiques, mais notre système va leur permettre de mettre plus de temps là où ils en ont besoin. Puis moi, je les soutiens là-dedans comme conseillère. Alors, pour ce faire, vous comprendrez que l'organisation scolaire n'est pas une mince tâche,
technicienne en organisation scolaire qui est ma meilleure amie. Donc, 4 périodes de 70 minutes plus la période conseil de 20 minutes. On doit organiser le tout pour que ça réponde aux besoins dont Claudie parlait il y a quelques instants. Alors, moi, mon horaire maître va ressembler à ceci. Donc, à chaque niveau, j'ai une possibilité, à chaque période, de plusieurs choix pour les élèves dans les matières où ils sont inscrits. Alors, l'offre de service va leur permettre justement de respecter, oui, leurs horaires. Dans certaines matières, les enseignants vont avoir fait le choix d'avoir certains cours fixes. Alors, ça, c'est les cours que vous connaissez dans tout établissement secondaire là, qui se respecte. Au Québec, on a des cours fixes. On en a quelques-uns à l'horaire. Vous voyez l'exemple d'un horaire d'un élève, mais en général, ce sont des offres de services. Donc, l'élève planifie, fait des choix, fait plusieurs choix à chaque période et à son agenda va indiquer à ce moment-là où il veut aller, où il doit aller. Certaines fois, on a besoin de faire plus de français ou de mathématiques. Alors, chez nous, c'est des possibilités. On a également la possibilité à la fin je dirais, là, pour assurer la diplomation d'un semestre supplémentaire qu'on appelle communément, nous, affectueusement, le F6, qui est bien planifié avec la direction adjointe, le parent, l'élève, le conseiller, pour s'assurer qu'on a tout pour la diplomation. Bon, bien sûr, quand on enseigne à Georges Vanier à Laval, le matériel pédagogique est vraiment un des fondements permet l'apprentissage modulaire individualisé et le rythme individuel des élèves. On a dû créer notre propre matériel parce qu'un élève qui va à son rythme, ça veut dire qu'il va prendre son temps, mais aussi qu'il va aller plus vite parfois. J'ai des élèves qui peuvent finir en avril, donc tout le programme est disponible en tout temps. Quand ils sont prêts, on ne les bloque jamais. C'est l'objectif, en tout cas, que je me donne personnellement. Autant mes élèves plus faibles que mes élèves plus doués doivent en tirer parti. Alors, un exemple de module, c'est une unité d'apprentissage. Oui, c'est souvent en papier, version papier, mais on les a également en version PDF pour tous les élèves qui ont besoin du support avec les mesures, avec les ordi, avec les mesures technologiques. Puis, les enseignants sont les auteurs des modules, donc des enseignants qui travaillent ou qui ont travaillé à Georges Vanier, qui ont créé le matériel, des fois basé sur des manuels, d'autres fois, ils sont autosuffisants. On s'est rendu compte, bien vite, que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel à gérer, puis qu'à chaque fois qu'il arrivait des réformes, il fallait donner un petit coup de pouce à nos auteurs, parce que l'année prochaine, on doit être prêt, puis le matériel doit être là, parce que les élèves, ils vont vouloir travailler. Oui, ils vont vouloir. Donc, on a créé la fondation. Les auteurs cèdent leurs droits d'auteur sur le matériel à la fondation, qui s'assure de gérer à ce moment-là, chaque fois qu'il y a du travail à faire, chaque fois qu'on essaie de renouveler, d'intégrer des nouvelles technologies, un peu plus de numérique, toutes sortes de choses comme celle-là, bien, la Fondation est là pour supporter les auteurs là-dedans. On est vraiment un organisme à but non lucratif, c'est important de le préciser. Parmi les missions de la Fondation, outre soutenir les auteurs, il y a aussi la diffusion. Donc, depuis cette année, on vient de participer à notre deuxième congrès de l'Institut Théa. On est comme devenu la découverte là, des enseignants d'adaptation scolaire, là, le matériel clé en main avec toute la planification pour les examens pour l'année, pour toutes les matières du secondaire, ça poigne. Et voilà. Merci. Alors, est-ce qu'une de nos personnes veut intervenir? Oui, bonjour, je m'appelle Michèle Deschamps. D'abord, je voulais vous remercier pour la belle présentation. C'est le fun d'avoir un témoignage d'une ancienne étudiante concernant l'attachement à l'école de quartier public. Je me demandais, on a parlé beaucoup d'apprentissage individualisé, je me demandais s'il y avait des moments ou des temps pour la collaboration. Comme je suis enseignante de français, je vais répondre à cette question. Tantôt, on parlait très rapidement des cours fixes. Il y a toutes sortes de possibilités qui s'offrent à nous comme enseignants dans l'horaire éclaté. Dans le fond, je peux faire soit le choix d'avoir une période fixe ou deux. Moi, j'ai 8 périodes en français 2. Je peux aussi décider de ne pas avoir de période fixe, mais de faire sous forme de clinique. C'est-à-dire, quand je juge que c'est pertinent ou j'ai un projet plus particulier propre à une certaine notion, tout est possible, en fait, dans la structure, il faut juste se l'approprier. Si j'ai le ratio d'élèves, si j'ai le bon nombre d'élèves à faire participer à ce moment-là, à cette activité-là, je peux fermer la période, let's go, on s'en va dans tel local, on le fait.
Donc, ce n'est pas parce qu'on a ça, puis on peut offrir des options. On essaie toujours d'offrir un maximum de choix, de possibilités. Il faut que l'élève puisse avancer, il faut qu'il puisse travailler en équipe, il faut qu'il puisse faire des projets, il faut qu'il puisse, s'il s'entraîne, sport-études, il n'est pas là, il faut qu'il puisse quand même continuer, il faut que j'ai des options parfois différentes d'offertes pour une même notion, pour une même activité dans un module, en guillemets. Mais on essaie de, disons que le travail collaboratif à Georges Vanier est un défi, parce que les élèves n'aiment pas être ralentis. Ils ne vont pas être contents quand des fois on essaie de leur proposer autre chose parce qu'ils nous disent « tu me fais perdre du temps ». Fait que là, il faut vraiment que ce soit une activité signifiante, qu'il semble que c'est important puis intéressant, puis il faut faire l'effort de l'organiser, la structurer. Ça demande vraiment un peu plus de volonté, mais ça se fait très bien, puis on le fait dans le cadre, à ce moment-là, des cours fixes et des cliniques majoritairement. Est-ce que les élèves plus forts, par exemple, dans une matière, sont parfois sollicités pour aider ceux qui avancent moins vite dans une matière? Oui, en fait, il y a… déjà, c'est quelque chose qui se fait naturellement dans les classes, parce que comme ils sont en travail individuel, l'enseignant, quand c'est une offre de service, c'est pas un cours fixe, c'est vraiment en soutien à l'apprentissage. De temps en temps, si j'ai une même notion qui n'est pas comprise, je vais faire une petite… capsule de 5 minutes sur quelque chose, mais je vais demander par contre des fois à un élève fort qui est en avant explique. Donc oui, on peut faire ça, mais il y a aussi le tutorat par les pairs qu'on aura, ça l'aide un peu à travailler sa timidité, à avoir confiance en elle, l'autre comprend parce que c'est pas moi qui lui explique. Donc oui, on peut faire ça, mais il y a aussi le tutorat par les pairs qu'on a ramené à l'école qui est vraiment, vraiment une mesure extrêmement intéressante, très appréciée des élèves. Donc on sélectionne, on suggère les enseignants des élèves forts, une banque d'élèves forts, puis après ça, on procède à un jumelage. On suggère aussi des élèves qui pourraient ou qui désirent avoir un service, un tuteur, un ami tuteur, dans le fond. Puis on procède au jumelage, puis il y a encore là, dans leur planification, ils vont prendre rendez-vous, puis il y a certaines périodes où c'est possible d'aller travailler dans un local avec ton tuteur attitré en maths, en français, en anglais, des choses comme celle-là. Mais oui, c'est très apprécié également. C'est que la latitude au niveau organisationnel permet ces possibilités-là, et offre à l'élève ses chances d'avoir des ressources supplémentaires. Ça, c'est super intéressant. Merci. Merci. Alors, j'inviterai le dernier conférencier à prendre place. Alors, Monsieur Pierre-Olivier Boivin vous entretiendra d'un projet d'implantation du référentiel d'intervention en lecture pour les élèves de 10 à 15 ans du ministère. Pierre-Olivier Boivin est conseiller pédagogique en français au secondaire à la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin. Il a été auparavant enseignant de français pendant 5 ans. M. Boivin a conçu des cours en ligne pour les services éducatifs et pour les services de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes de la commission scolaire. Il a aussi conçu une formation en ligne pour les services aux entreprises, formation qui est reconnue par Emploi Québec. Je vais ajuster le micro. J'ai l'impression de me préparer à courir un sprint. Donc, et ça commence, donc je suis déjà en retard. Donc, le référentiel d'intervention en lecture, c'est un projet du ministère qui a été élaboré il y a quelques années, qui touche différentes sphères d'intervention, dont la compréhension en lecture de textes courants chez les élèves de 10 à 15 ans. Bon, donc, lire pour comprendre. Donc, oui, moi, le référentiel, je l'ai vécu comme enseignant, je l'ai vécu comme conseiller pédagogique. Puis le but premier, c'est vraiment d'amener nos élèves à comprendre des textes courants. Et c'est primordial pour un élève de comprendre un texte courant. Et même nous, dans la vie quotidienne, on envoie des textes courants, les élèves vont en voir jusqu'à la fin de leur jour. Donc, je suis déjà rendu à la prochaine diapositive. Le projet, on l'a articulé, c'est un déploiement qui a été progressif dans les écoles. À ce jour-ci, il y a 2800 élèves qui sont touchés dans notre commission scolaire au premier cycle, puis on a 40 à 50 enseignants qui ont aménagé ce projet-là dans leur horaire. Donc, qui sont les acteurs impliqués? Je l'ai nommé, il y a les enseignants, il y a des orthopédagogues, il y a le conseiller pédagogique, il y a les directions dans les écoles, il y a les gestionnaires des services éducatifs, je pointe Vincent qui est assis juste ici. Et puis, chacun des acteurs est amené à exercer un leadership qui est différent, mais qui est primordial dans la mise en place de ce projet-là. Donc, la pertinence des tests de dépistage, oui. Donc, à la base du référentiel, il y a des tests diagnostiques qu'on appelle, qui sont utiles pour établir des portraits de classe, pour faire des sous-groupes, pour organiser la planification des enseignants, les interventions, l'enseignement, puis l'évaluation. Ensuite, la technologie au service des portraits de classe, Jean, tu vas être content. On a utilisé un logiciel de gestion des apprentissages qui se nomme Moodle.
afin de réaliser nos portraits, diagnostiques. Ça permet de corriger rapidement. Ça permet d'avoir accès à des portraits de classe en couleur de façon rapide pour les enseignants. Puis ça permet de travailler à partir des données probantes rapidement. Ensuite vient, à partir des portraits de classe qu'on a, donc on travaille à partir de la pyramide de réponse à l'intervention, les différents acteurs. Ça favorise la fréquence d'intervention dans le temps pour les élèves. Puis ça permet de savoir qui fait quoi, puis quand est-ce qu'on le fait. À la base du référentiel et de l'enseignement des stratégies de lecture, donc, il y a l'enseignement explicite. Ça représentait un changement de pratique pour plusieurs de nos enseignants. Donc, on enseigne plus, on évalue moins, on est plus souvent en apprentissage, moins souvent dans l'exercisation. Parce qu'en tout cas, c'est vraiment là que ça représentait un changement de pratique. Pour le choix des stratégies de lecture qu'on a décidé d'utiliser, nous, à la Commission scolaire de la Beauce-et-Chemin, au primaire, on utilisait ADEL depuis quelques années. Donc, pour le secondaire, on a continué afin que les élèves voient un lien dans le temps, là, à travers leur parcours. Et je pourrais même permettre d'avancer. Donc, les moments de concertation, les enseignants ont été appelés à se concerter, oui, et puis à se concerter une fois par cycle, dans des périodes qu'on prévoyait quand l'année commençait. On prévoyait aussi 2 jours pour analyser les tests de dépistage, pour faire créer les sous-groupes à partir des portraits de classe qu'on avait, une journée en septembre, puis une journée plus tard dans l'année. Ça a demandé aux enseignants un ajustement au niveau de leur pratique. Donc, durant les concertations, on soulignait les bons coups, on soulignait ce qu'il y avait amélioré au cours. Il y avait une co-construction des apprentissages au niveau de l'enseignement explicite des stratégies. Puis, durant ces concertations-là, il y avait un membre de la direction. Donc, on passe au travail collaboratif. Il y avait un membre de la direction, le conseiller pédagogique, il y avait l'orthopédagogue, les enseignants impliqués. Et puis, ça faisait en sorte qu'il y avait une collaboration au niveau des idées chez les enseignants, une collaboration au niveau de la planification, puis une collaboration avec la direction, l'orthopédagogue, le conseiller pédagogique. Pour l'enseignant, ça a demandé de revoir sa planification. Donc, comme je le mentionnais, on passe beaucoup de temps à enseigner, on passe moins de temps à évaluer, moins de temps au niveau de l'exercisation. Et puis, les enseignants étaient en mesure de voir là, les effets plus bénéfiques de leur enseignement chez les élèves. À ce compte-là, c'est une plus-value pour eux. C'est un gain qui est mesurable. Pour les élèves, donc, eux aussi devaient apprendre à planifier. Parce que dans l'enseignement explicite, il y a des pratiques plus autonomes. Eux, ils devaient réinvestir ce qu'ils avaient appris dans des pratiques plus autonomes. Donc, ça leur demandait à apprendre à planifier. S'ils sentaient le besoin de se joindre à un sous-groupe, ils pouvaient le faire aussi. Donc, ça, c'est important pour eux. Pour l'élève et l'enseignant, donc, ça leur a permis de partager des moments d'apprentissage. Donc, ce n'est plus uniquement l'enseignant qui avait le monopole d'enseigner, notamment lors de la pratique guidée en enseignement explicite. Donc, on co-construit des apprentissages. Et c'est un des points qui a été soulevé autant par les élèves que par les enseignants. Donc, pour l'élève et les enseignants, une régulation des apprentissages. Oui, il y avait un carnet de bord qui suivait les élèves et qui mesurait l'évolution de leurs apprentissages. C'est un outil qui était apprécié autant pour l'enseignant, pour ajuster les sous-groupes, que pour les élèves, pour mesurer dans le temps la progression de leurs apprentissages. Pour l'élève, devenir plus autonome, et ça, c'est primordial aussi, c'est au centre même du projet qu'on a implanté, parce que les élèves devaient comprendre la signification de leur carnet de bord. Ils devaient comprendre que ça les suivait, « OK, j'ai évolué à ce niveau-là, il me reste beaucoup de travail à faire là. Qu'est-ce que je peux faire moi-même pour continuer à progresser dans mes apprentissages? » Développer les compétences en même temps. Donc, pour les enseignants, ça aussi, ça leur représentait un changement de pratique assez important. Au lieu d'y aller en tunnel, OK, aujourd'hui, on va faire de la lecture, demain de l'écriture, demain de la communication, bien, ça les a obligés à imbriquer les compétences ensemble. Et aussi, au niveau de l'interdisciplinarité, donc, les stratégies de lecture, ce n'est pas uniquement l'affaire du français. On a débordé aussi en histoire, comme je déborde dans ma diapositive présentement. Apprendre à aimer lire. Donc, il y a lire pour apprendre, puis il y a apprendre à lire. Nous, ce qu'on voulait aussi, c'est que nos élèves se sentent compétents en lecture afin qu'ils apprennent à aimer lire. Parce que des textes courants, ils vont avoir à en lire souvent. Et finalement, prendre le temps de. Donc, je vais prendre le temps de finir. En vous disant que pour qu'une école devienne plus autonome dans ce projet-là, ça prend environ 5 ans, grosso modo. Ensuite,
Donc, ça permet aussi aux enseignants de partir d'une compréhension commune pour lancer un projet. Donc, on prend le temps de vraiment asseoir nos bases, on se lance dans ce projet-là. Il y a un accompagnement qui est serré. Au bout de 5 ans, on sent que les écoles sont plus autonomes. Et puis, on fait des choix qui sont judicieux pour se lancer dans ce projet-là. Et je finirai en disant que prendre le temps de lancer un projet, puis prendre le temps d'accompagner des équipes écoles, je pense que c'est primordial là, dans la réussite d'un projet de cette envergure-là. C'est noir, j'arrête. Donc, merci. Alors, Madame Van Lien. Merci pour cette présentation. Alors, on est en lecture au secondaire, donc cette fois-ci, on sort un petit peu plus de mon champ, mais j'ai une couple de questions quand même. Peut-être, ben, pour rebondir sur votre conclusion, j'ai eu un 2 secondes d'inattention au départ. Vous êtes conseiller pédagogique? Oui. Donc, votre rôle est d'accompagner les écoles? Oui. Je trouve ça intéressant que vous mentionniez que ça prend 5 ans d'accompagnement pour rendre une école autonome. Ça permet, je pense, de souligner que le changement, ce n'est pas toujours du clé en main, puis qu'il y a un gros travail derrière. Et je voulais peut-être revenir plus particulièrement. Je comprends qu'il y a 2 formes de concertation particulières, notamment celle de début d'année qui sont plus sur le classement, le portrait de classe, l'analyse des difficultés de chaque élève, oui. Mais qu'il y a aussi des concertations sur l'ajustement des pratiques de soutien. Exactement. Parce que j'imagine qu'il y a là un gros nœud pour le conseiller pédagogique, puis j'aimerais ça vous entendre sur votre rôle de conseiller pédagogique dans cet accompagnement des pratiques de soutien. Je pense que c'est un gros mandat. Oui. Oui, c'est un gros mandat. Moi, la chance que j'ai eue, c'est de vivre ce projet-là comme enseignant avant de le vivre comme conseiller pédagogique. Donc, je pouvais prévoir à travers l'année, quels seraient les incontournables, les impondérables, les difficultés auxquelles seraient confrontés les enseignants. Je vous dirais que le rôle du conseiller pédagogique, c'est de faire en sorte que tout ne soit pas compliqué pour les enseignants, parce que ça demande beaucoup de changements de pratique pour eux. Donc, c'est de prévoir le coup, de rassurer eux, surtout, parce qu'on travaille avec des humains. Ensuite, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise dans chacune des sphères d'intervention, autant au niveau de l'enseignement explicite, qu'au niveau de la compréhension des stratégies de lecture, qu'au niveau du nouveau vocabulaire que ça implique, ces stratégies-là. Et puis, je pense que c'est vraiment d'agir pour faciliter la tâche des enseignants. Okay. Puis juste peut-être pour poursuivre là-dessus, vous avez souligné qu'il y a aussi tout un retour réflexif qui est fait avec l'élève, avec le carnet de bord, oui. Donc l'élève est impliqué dans son cheminement. Est-ce qu'il y a une place pour l'élève dans les rencontres de concertation ou est-ce qu'il y a un lien qui est fait explicitement entre les rencontres de concertation et l'élève? Donc, quelque part, est-ce qu'il a un rôle dans cet ajustement du soutien qu'on lui apporte? Bien, c'est sûr qu'à partir de la régulation qu'on fait, notamment après le premier bulletin, parce que c'est les données qu'on a aussi après les évaluations formatives, c'est sûr qu'on travaille toujours pour les élèves. Donc, oui, à partir des résultats des élèves, des chiffres qu'on a, on va ajuster nos pratiques, on va ajuster le tir, mais en tant que tel, les élèves n'ont pas de rôle central là, à jouer dans les concertations. Merci. Merci. Alors, nous serions rendus à la période de questions. S'il y en a parmi vous qui ont le goût de poser des questions à certains des intervenants que vous avez entendus, c'est le moment pour le faire. Oui? Bonjour, alors si vous me permettez, c'est pour Manon et les premières. Alors moi, c'est Anne Lessant, je suis professeure-chercheure à l'Université de Sherbrooke, je suis titulaire d'une chaire de recherche sur l'engagement des élèves. Donc, contrairement à Alice, qui est spécialiste de l'écriture, moi, ce que je fais au quotidien, c'est que j'observe les enseignants, puis ensuite, on analyse par rapport à toutes sortes de choses qui touchent essentiellement beaucoup plus là, pour stimuler l'engagement des élèves. Donc, moi, je veux juste témoigner du fait que cette année, j'ai eu le bonheur de suivre 2 enseignantes, une en première année, une en deuxième année. Moi, je suis au secondaire, que c'est vraiment pas ma spécialité, mais ce que je pouvais voir, c'était des enfants qui étaient pleinement engagés dans cette démarche-là. Puis moi, je disais justement, là, parce que je voyais la directrice d'école aujourd'hui ici, je lui disais, ce que j'ai vu dans une classe de première année, c'était totalement phénoménal.
de voir, là, d'entendre un enfant au mois de novembre parler de la quatrième de couverture. Là, moi, j'étais comme première année là, dans un milieu hyper défavorisé. Puis on entend les élèves avoir des échanges, puis poser des questions, puis s'intéresser aux auteurs, puis comment ils font. Puis moi, j'étais là, vraiment très impressionnée par comment cette enseignante-là, qui enseignait pour la première fois en première année, s'est appropriée cette approche-là, puis a mis ça en place avec ses élèves. En tout cas, je me disais, je voudrais que mon enfant vive ça. Tu sais, donc, vraiment, en tout cas, je veux juste témoigner du fait que ce que vous avez implanté, c'est franchement génial pour l'engagement des élèves. Je vais vous inviter à venir à l'avant au micro si vous voulez répondre. Ça va? Alors, on me dit que c'est la même chose qui est observée dans le cadre du projet. D'autres personnes qui voudraient intervenir, poser des questions à nos conférenciers? Est-ce qu'on a des questions en web diffusion? Non. Personne? Vous avez le goût de prendre une petite pause, de mettre fin à la journée? Est-ce que vous voulez venir, madame? Oui, alors allez-y, il nous reste quelques minutes. Là, c'était pour la dernière présentation, j'ai oublié votre nom, je suis désolée. Je sais pas Monsieur Boisvin? Oui, vous avez, la diapositive a tourné vite, donc vous n'avez pas eu le temps d'expliquer, je pense que vous auriez voulu expliquer du lien entre les matières, vous avez juste dit qu'il y avait un lien entre le français et le reste, fait que si vous voulez, je vous lance la question, ça vous donne du temps. Alors, on vous invite à venir parler d'interdisciplinarité. Je me suis racheté un peu de temps, merci, donc oui. Donc, comme je mentionnais, c'est des textes courants, hein, c'est la compréhension des textes qui sont courants. Donc, ce n'est pas seulement l'affaire du français. Les textes courants, on en voit en histoire, on en voit en mathématiques, en sciences, peu importe. Donc, c'est d'éviter de camper les stratégies de lecture au français. Auparavant, c'est quelque chose qui a été fait, qui a été fait assez fréquemment. Puis nous, c'est ce qu'on voulait éviter. On ne demande pas aux enseignants des autres matières d'enseigner les stratégies de lecture, mais on demande peut-être, quand un enseignant en histoire sait qu'il y a des inférences à faire dans un texte, bon, bien là, on peut dire à nos élèves, fais attention, ici, tu dois faire des inférences. Et les élèves sont au courant de quoi on parle, parce que ça a tellement été enseigné explicitement en français que quand on est rendu dans d'autres matières, c'est un apprentissage qui est ancré d'en haut. Donc, je pense que c'est vers là que je voulais m'en aller. Ouais. Est-ce que ça soulève d'autres questionnements, d'autres commentaires? Non? Alors, je vous remercie de votre participation. J'espère que vous avez pris goût aux conférences qui vous ont été présentées. Je voudrais rappeler que les enregistrements seront disponibles dans une dizaine de jours par le biais de l'infolettre qui sera envoyée, mise en ligne par le CETREC. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée à tous.